Bonjour. Bonjour à tous. Salut à tous. Petite vidéo donc qu'on fait tous les deux pour les 1000 abonnés. Ouais, 1000 abonnés. De monstres de films. Non, en fait là ça fait un paquet de fois qu'on essaye d'en faire la vidéo, du coup c'est un peu compliqué. On va la garder celle-là. Donc, du coup on est à 1040. Ouais. 1040 abonnés. De quoi remplir une petite salle de théâtre. Ah, une bonne salle même carrément, parce que 1000 personnes ça commence à faire. Bon, c'est pas le zénith, mais ça pourrait être pas mal. Donc petite vidéo pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Ouais, de nous laisser des commentaires, de nous donner des idées. C'est vraiment sympa, c'est constructif, ouais. Et on évolue bien comme ça dans ce sens. On a une bonne communauté, en fait, c'est une petite communauté, hein, mais franchement, il y a en plus pas mal d'entre vous qui nous suivent depuis le début. Et franchement, c'est vraiment sympa de discuter avec vous et d'avoir vos retours, c'est vraiment cool. Puis 1000 personnes, on ne connaît pas 1000 personnes, donc c'est génial. C'est clair. Franchement, ouais. C'est vrai que oui, déjà 100 personnes, je disais, on connaît pas 100 personnes, mais là pour le coup, 1000 personnes, on en connaît encore moins, donc franchement, c'est archi cool. Mais du coup, la chaîne, passer le cap des 1000 abonnés, va subir pas mal de changements, notamment au niveau de la monétisation. Donc il faut savoir que YouTube a changé ses protocoles en ce qui concerne la monétisation, puisqu'en fait, au début de Monstres de Films, on avait déjà monétisé. On a réuni 60 centimes, ce qui est wouhou. Demi-baguette. Une demi-baguette, ouais, surtout dans Paris. Et en fait, la politique a changé entre temps, donc la monétisation, ça s'est arrêté. Et en fait, il fallait avoir minimum 1000 abonnés et 4000 heures de vues cumulées. Maintenant qu'on les a, on peut monétiser, seulement il y a à peu près les deux tiers des vidéos qu'on peut monétiser. Et comme c'est pas drôle sinon, bah, les trois quarts qu'on peut monétiser, c'est des petites vidéos qui font pas beaucoup de vues. Tout simplement parce que bah, les autres ont des problèmes de droits d'auteur. Donc personnellement, j'ai pas envie d'être bridé par la monétisation dans le sens où j'ai pas envie de supprimer des morceaux de musique ou des passages de films ou de scènes qu'on reprend pour me dire « Ah non, faut qu'on monétise la vidéo » parce que bon, l'argent, c'est vrai que c'est bien, mais... ce serait plus monstre de film, du coup. Ce serait plus vraiment monstre de film et se faire brider artistiquement, je trouve ça un petit peu con. Donc on monétise quand même, et par contre on va faire ce qu'on appelle l'affiliation. Alors l'affiliation, c'est un truc dont j'ai entendu parler tout récemment. Concrètement, ça marche comme ça. Par exemple, vous contactez la FNAC, vous créez un partenariat d'affiliation avec, et en fait la FNAC va vous donner des liens. Enfin, va nous donner les liens, je dis vous, mais là c'est... Bon, passez-vous, monstre de film, voilà. Bravo. Non, la FNAC va nous donner des liens qu'on va mettre en description des vidéos. Ou par exemple une vidéo sur Mimic, et ben en description il y aura un lien qui va vous emmener sur une page de la FNAC pour acheter Mimic, soit en DVD, soit en Blu-ray, soit en coffret si ça existe. Et en fait quand vous allez l'acheter, nous on va toucher comment on appelle ça? Un pourcentage. Voilà, un pourcentage, on va toucher une commission en fait. Ça va être de l'ordre de quelques centimes, hein. C'est pas un truc à tomber par terre, mais c'est déjà mieux que la monétisation. Pourquoi on a choisi ça? Parce que alors, c'est un truc dont j'ai pas vraiment parlé avec toi. Il y a différents moyens de se faire rémunérer. Il y a par exemple l'appel aux dons, mais l'appel aux dons, c'est bah tu demandes aux gens, voilà, si vous m'aimez bien, si vous nous aimez bien, et bah, donnez-nous des sous. Mais aucune contrepartie. Ça, j'ai un peu de mal à demander aux gens comme ça, gratos de l'argent et se faire un petit peu entretenir, ça me plaît pas des masses. Il y a aussi le crowdfunding. Donc là, c'est comme sur Ulule, des plateformes comme ça. Le crowdfunding, c'est on a besoin d'une telle, de telle somme. Vous nous donnez ce que vous voulez, 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros, voilà. Et vous avez une contrepartie, du genre le nom qui apparaît dans le générique, un t-shirt, des goodies, ou une apparition dans un des épisodes. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais moi personnellement, je suis pas trop pour ça. Parce qu'en fait, c'est plein de trucs à gérer en plus. Ça sera trop compliqué. C'est-à-dire que s'il y a 100 personnes qui nous mettent suffisamment d'argent pour avoir des t-shirts, faut s'occuper de commander 100 t-shirts, faut... avec après les machins, les renvoyer à chacun, etc. S'il y a des gens qui doivent jouer dans, parce qu'ils ont donné suffisamment, qui doivent jouer dans une vidéo, ça va être relou, parce que si le mec habite à Bordeaux, faut qu'il vienne chez nous, non, c'est trop casse-couille. C'est infaisable. Donc, ouais, franchement, je pense que... À notre échelle, c'est pas possible. Voilà, même à une plus grande échelle, moi, enfin, après, voilà, c'est que moi, faudrait qu'on voit ça plus tard, mais j'aimerais pas trop le faire. Mais l'affiliation, l'intérêt que j'y vois, c'est que vous achetez un truc pour vous, à la base, et indirectement, vous nous financez. Je trouve que c'est
pas le truc le plus honnête, mais c'est la chose que j'apprécie le plus de faire. Ouais, tout à fait. Dans le sens où c'est pas vous nous donner de l'argent, c'est vous acheter un truc d'abord pour vous, et nous derrière on touche un petit truc. Et en gros c'est la FNAC qui nous le donne, c'est pas vraiment vous. Donc voilà, en gros c'est tout ce qui va changer sur la chaîne. La période du confinement est très prolifique en ce qui concerne... Nous n'avons pas de retard. Exactement, et pour ça, le c'est coup, chouette. En fait, c'est la première fois qu'on peut sortir une vidéo à moins d'un mois de l'autre. Hein. Hey. Parce que c'était quoi avant? C'était Relique. Relique était sorti genre le 20 mars et Mimi qui est sorti le 18 avril, même pas un mois. Franchement, on a place à Dallas. Ne vous y habituez pas, parce que... Et nous travaillons quand même. On bosse quand même, hein. Là on est en train de bosser les monstres de l'été et les prochains monstres de films, ça fait pas mal de taf, mais faut continuer sur la lancée. Et en tout cas, bah merci ouais. Effectivement d'être toujours là. D'être merci, toujours ça aussi fait nombreux. Chaud au cœur. Exactement. Merci d'être toujours aussi nombreux et on espère vous retrouver très rapidement pour la vidéo des 10 000 abonnés. Voilà. Ouais. Gros bisous, portez-vous bien, évitez de sortir, c'est pas encore la fin du confinement. Prenez soin de vous. Et à très vite. Bye.